Salut à tous, c'est Mister Freeze. On se retrouve pour la suite de Suikoden 2. À l'endroit exact où je vous avais laissé, c'est-à-dire dans le dortoir de Green Hill. Juste après que Teresa nous ait dit de nous casser de la ville, on peut dire ça. Genre le truc pas du tout important quoi. Sauf qu'ils la cherchent toujours, ils vont foutre la merde. Voilà Joey, hein, qu'on n'a jamais revu hein, depuis qu'il a assassiné Annabelle. Oh merde. Oh! Ça fait flipper ça. C'est enfin le moment de lui parler. Pitcher qui fout le bordel, bien joué. Ce bordel. Quand ils vont tâter de mon fer. Tigre blanc, lapin rouge. Non, je déconne. Et singe violet. Ah, mais il a que des trucs sur un ennemi ou. Oh, ça va les déchirer. Voilà, normalement ils vont pas survivre. Hein. Voilà, normalement ça devrait faire mal. Je m'attendais pas à ce que ça se fasse aussi mal. Enfin, comme je vous l'ai dit, hein, les niveaux ça monte très vite.
Voilà, flic niveau 30. Voilà, donc pour aller chez Teresa, on passe par là. Quoi, ils veulent une nouvelle claque dans la gueule. Bon allez, cette fois on n'utilise pas l'attaque de Luke. Parce que ça fait vraiment trop mal, ça bouge. Pixie. Si elle veut faire un ruse. On va faire ça. Allez, go. Pas trop optimisé hein, ce que j'ai fait, mais bon. D'accord, mais ils sont en papier en fait. Ils donnent beaucoup d'XP, mais ils sont vraiment nuls à chier. Bref. C'est où déjà? Merde. Là non? Putain, c'est où? Je cherche le passage secret. Là. Voilà. Avec la petite musique, avec les petits oiseaux, tu sais. Ah, c'est chiant. Vas-y. Ah, j'aime trop Wakaba quand il attaque. Quand il attaque, pardon. Ouais, en fait, il n'y a même pas besoin d'utiliser de magie. Hein. Ils sont tellement minables. Donc, normalement c'est à droite, mais j'aimerais voir ce à gauche, pardon, mais j'aimerais voir ce qu'il y a à droite. Oh merde. Par contre, j'ai pas envie de combattre. Ah, mais il y avait juste ça en fait. Enfin, si j'avais su. Bon, là on va faire auto. Hein. Ce qui est bien, c'est que des fois les persos ils attaquent en même temps. Ça c'est bien foutu, je trouve. Parce que vu que c'est des combats à 6, ça serait chiant s'ils faisaient tout un par un. Donc, comme vous voyez, Wakaba hein, fait vraiment très mal, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est trop bien là, on fait juste gauche et s'il touche un mur il va automatiquement vers le haut. Oh, c'est bien optimisé. Bon. Y'a quoi là? Y'a rien. Qu'est-ce qu'elle fout là elle? Ça, je suis sûr que personne s'y attendait là. Elle était dans le coup.
Lui est encore plus fou qu'elle, quoi. Encore, elle veuille mourir, mais lui, il l'accompagne. C'est... Il est fou, ce mec. Non, mais de toute façon, faut se barrer par là. Ah non. Dans mes souvenirs, fallait. Mais c'est pas tout de suite. Mais... Oups. Ah. Je sais pas ce que ça fait l'altération d'état du ballon. Bon allez, on va combattre. Oula l'ennemi. Là, on a pas mal de trucs. Attendez, mais en gauche, c'est pas un bouclier. Si. Ah, mais c'est moins bien que le bouclier de la taupe. Ah ouais. Ouais mais renvoie coup, c'est bien quand même. Bon tant pis. Je préfère fuir parce que bon, si on fait tous les combats ça va durer trop longtemps. Je préfère fuir et puis farmer de l'XP hors des... en dehors des vidéos. Oh, on peut aussi faire pot de vin hein. On donne de l'argent en échange de quitter le combat, je trouve que c'est pas ça top. Bon du coup je me rappelle pas du tout qu'il fallait retourner en arrière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour retourner dans la ville je pense, voilà. Ah bah voilà. Faut que vous êtes mon cul, tu vas voir. Tu... Défoncer. Allez, à toi Luc.
Voilà, là, elle lui montre qu'elle a mal compris. Parce que je pense que pour Teresa, elle. Tout le monde la détestait maintenant. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Que c'est beau. Voilà, donc notre mission hein, qui était de protéger Teresa va finalement peut-être pouvoir être faite. Putain, mais par contre c'est chiant les combats contre les soldats toutes les 2 minutes. Hein. Bon, Chine, t'as dit que tu dégageais la voie et c'est pas bien là ce que tu fais. Je suis sûr qu'on va avoir des combats aléatoires quand même. Putain, Chine, merde! Non! Oh putain, je vais manger là. Peut-être pas en fait. Je retente de m'échapper. Voilà. Je me demande si c'est comme dans certains RPG où plus on tente de s'enfuir, plus on a de chances que ça marche. Je vais faire auto à chaque fois, hein, parce que ça vaut pas la peine de... Non mais ils optimisent pas du tout. Ils attaquent enfin, Wakaba, c'est le perso qui fait le plus mal là. À chaque fois il attaque celui qui a le moins de vie. Rien. Allez. On est presque. Putain, entre les combats aléatoires de la forêt et les soldats qui nous attaquent par derrière. Sans une seule arme non plus. Ouais. Ça, c'est le mec le plus fidèle que j'ai jamais vu, ça. Ouh. Quel homme. Bref, on va se barrer d'ici, nous.
Je sais pas où c'est. Non, mais des coffres, merde. S'il y a des coffres, je les prends, moi. Yes. Ce qu'il faudrait, c'est un perso qui aide à fuir. Soulier orteil. Mais ça m'a l'air d'une bonne traduction encore, ça. Soulier orteil. Sérieux. C'est comme ça était gandois, tu sais. N'importe quoi, soulier orteil. Allez là, on attaque que quand ils sont en infériorité numérique. Tel des gros lâches. Aiguille 4. C'est aiguille ou anguille? Je sais pas. Oh putain. Ça, je crois que c'est pas de la merde. Mais. J'ai du mal, hein. Je vois pas ce que c'est en fait. Cet enculé, il répond jamais aux questions. J'essaie de donner le max de réponses pour faire parler Joe, oui, hein, mais... Voilà, malheureusement on ne peut pas faire parler Joe, oui. On connaît toujours pas les raisons de cette raison, c'est ça qui est chiant. Traître. Ce qui est con, c'est qu'on aurait pu le tuer. Enfin bref. Attendez, je vais quand même regarder s'il n'y a pas un coffre. Non. C'est que la fuite est facile. Ça, c'est étrange, hein. Il est avec nous ou pas? En fait, c'est ça, il est avec Island, mais on a l'impression qu'il veut quand même nous sauver, quoi.
Là, on se rend compte d'un truc, c'est que personne n'aime Lucas Blight, même les gens dirigés par lui, quoi. Voilà, et en gros, ils mettent toute leur confiance en Joey. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On va arrêter là très bientôt. J'allais me rendre à la ville en haut à gauche pour récupérer un petit marteau. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la durée de la quête de Teresa, on ne peut absolument pas recruter les persos. Même ceux qu'on pouvait recruter avant. Faut bien le faire avant ou après, on peut pas pendant. Et à partir de maintenant, il y a normalement deux nouveaux persos qu'on pourra recruter. Voilà. Et normalement, il y a quelqu'un qui me donne un marteau ici, mais je sais plus où c'est. Mais je suis con, attendez. Je vais sauvegarder là en fait. Et je vais arrêter. Parce que en fait, il y a un perso qu'on va recruter. Où faudra, après à recruter ce perso, revenir ici, donc au lieu de faire deux allers-retours, je reviendrai à ce moment-là. Bah, écoutez, j'espère que vous avez aimé ces trois petites vidéos d'histoire cette fois. Je vais vous quitter là, je pense. Donc on a un nouvel allié, Teresa Wisemail. Et vous verrez la suite à la prochaine vidéo. Salut !